à vous. Petite vidéo rapide. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux petits canifs pliants, le Boker Plus Atlas et le Coursol poilu. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par le Boker Plus. Boker Plus Atlas. Donc c'est un manche en cuivre. Hop, cran forcé. La lame c'est du 12C27. Donc c'est un couteau que c'est un tout couteau que j'ai quand même utilisé un certain temps. Il a déjà bien patiné. Le cuivre a bien pris. On le voit là autour du clip ceinture qui a été moins en contact avec la paume de la main, la transpiration et tout. Un très bon petit couteau que j'adore. Super pour la ville, hyper discret, tout petit. Les mesures. Hop. 9,5. Et la lame qui fait 6,8 et pour une longueur totale de à peine 17. Ça, je prends ça quand je vais en ville, quand je vais dans des grandes villes. Un tout petit couteau glissé dans la poche avec le clip ceinture, là on le sent pas du tout. Puis je le trouve classe en plus. Je le trouve classe. Un petit passe lacet là. Un petit passe dragon. Donc le manche en inox juste plié avec un ressort au dos. Très bien fait. Bonne qualité. Bon petit rapport qualité-prix. Voilà pour le Boker. Boker Plus Atlas. Il existe dans d'autres matières et pour le manche, il existe en tout inox, en laiton, couleur laiton aussi. Allez, hop, je vais faire une vidéo rapide quand même. Ensuite, un petit Coursol, un poilu. Une réédition. Ils avaient ressorti les matrices pour refaire cette réédition du Coursol poilu. Manche en laiton vieilli d'origine. Voilà, armistice 14-18. Un petit couteau sympa. Pour ceux qui aiment, parce que par contre, c'est un couteau que j'utilise pas. C'est un couteau que j'utilise pas. Il est un petit peu trop petit, un petit peu trop petit pour moi. Il n'y a pas de clip ceinture. C'est pour ça, là, je le présente avec cette version là, parce qu'on est sur la même gamme de, sur les mêmes tailles quoi.
Mais par contre, celui-ci est beaucoup plus pratique, je trouve. Ça, bien sûr, on peut le glisser dans la poche, mais dans la poche, on le perd, il n'y a pas de clip ceinture, il n'y a pas de passe dragon pour aller le choper facilement. La lame est un petit peu moins pratique. J'avais pris ça juste pour le côté historique parce que je trouvais chouette. Donc là, donc on est sur manche laiton vieillie donc. La lame du XC75, lame carbone, avec la clé, le logo Coursol là. Voilà, allez, je vais mettre un petit Opinel numéro 8 à côté, même si c'est un couteau qui est assez connu, mais bon, voici un numéro 8. Donc on est beaucoup beaucoup plus petit, hein. C'est vraiment du petit canif. Voilà, le bokeh. Plus. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est des petits canifs mais qui sont hyper pleins. Très bien, ça c'est une super lame, elle coupe super bien ça là. Et ça là aussi d'ailleurs, mais bon. Ça coupe, mais comme je m'en sers pas, je l'ai jamais affûté. Une tranche d'origine. Voilà, mais bon, ça pour moi, c'est pour manger et tout, c'est trop petit. J'ai pris ça juste pour la beauté de l'objet. Voilà pour cette petite vidéo rapide de présentation là, de ces deux couteaux que je n'avais jamais présentés, là que j'ai depuis un moment. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Salut les gens!